Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Rebienvenue sur Heroes of the Storm, mesdames et messieurs. C'est toujours Biff et c'est parti pour la deuxième vidéo dont je vous parlais, hein, les vidéos sur les nouveautés concernant le patch 17.0 et les nouveautés sur les personnages qui ont été bien modifiés. Donc vous voyez, Ticus, mesdames et messieurs, Ticus, qui a énormément changé. Donc comme je vous disais pour Illidan, hein, des paliers thématiques maintenant pour le valeureux guerrier Terran. Le valeureux assassin de Terran, pardon. Guerrier au sens de warrior, vous voyez ce que je veux dire? De mec qui tabasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas trop ce qu'on va prendre. Parce qu'en fait, on a beaucoup de protection. Pour cette partie, on va être très protégé. Donc, on va peut-être prendre... Je pense qu'on va prendre... Hop, l'allonge, l'augmentation de vitesse d'attaque. Bon, j'ai pas envie de me prendre ça. Alors maintenant, hein, méfiez-vous de Kael'thas, puisque la bombe se propage... Tout de suite. Voilà. Hop. On prend ça. Bon, allez, viens là. Alors, Ticus. Excusez-moi, j'étais concentré sur ce premier go. Ticus, le changement principal, c'est son passif qui maintenant en fait est un activable, vous voyez ici, qui augmente en fait vos dégâts contre les héros. Et leur inflige un montant... Donc attendez, je vous le lis pour pas que vous soyez troublés. Les attaques de base contre les héros infligent des dégâts supplémentaires équivalents à 1,5% de leur maximum de points de vie. Donc pendant 3 secondes, vous l'activez, il coûte du mana, et vous infligez 1,5% des points de vie du héros en face, en plus sur chaque auto-attaque. Donc c'est comme un tueur de titan, tueur de géant, vous appelez ça comme vous voulez. C'est l'équivalent du talent qui permettait de destroy les tanks. Qui est plutôt plutôt pas mal. Ce qui fait qu'elle tournait là. Se calmer direct. Bombe ratée. Oh là, Yanova. Veratul. Hop. Se calmer direct. Belle. Belle. C'est belle. Bon, alors Ticus, qui était un peu l'assassin oublié, hein, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que son passif de l'époque était vraiment pas fou. Maintenant il est beaucoup mieux et ça se fight en haut, on va aller voir ce qui se passe, on va juste prendre un petit peu de truc comme ça. On va profiter du... Hop. Oh raté. Oh, la portée est vraiment, vraiment petite. J'ai perdu un peu l'habitude. On va aller rendre ça. Oh non. Bon, on est mort. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Une game qui commence sur les chapeaux de roue, hein, mesdames et messieurs. Donc vous allez voir, Ticus qui fait énormément de dégâts maintenant. Bon, ils ont laissé mes gemmes, hein, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors comme pour Illidan, hein, je vous mettrai à la fin de la vidéo d'autres builds que vous pouvez faire sur Ticus. Puisque moi j'en ai fait, j'ai testé quelques-uns et il y en a que je préfère. 40% de leur point de vie. Moi je pense... Vous allez vous calmer. Donc il n'y a plus, hein, la grenade qui sert de push. C'est triste. Mais c'est comme ça, mesdames et messieurs. Non mais là, je peux rien faire. Je peux rien faire s'il ne joue pas en équipe. J'ai pas envie de crever. Donc pour l'instant, on va juste attaquer. Les petits creeps. Oh, je l'ai pas vu. Oh, je l'ai pas vu. Je sais que tu es là. Philippe. Oh là, il y a un jambon là. Du jambon là. Il y a du jambon. Voilà. Roméo. Ah, Veratul là. Ou Nova, je sais pas. Dans le buisson. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas trop. Ah non, mais on a. Nullité. On les arrose. On les arrose. Nous on va poke pour l'instant. J'ai du temps de recharge de minigun. On va prendre ça. Vous savez quoi, on va prendre ça. Quand on fait des kills, ça augmente notre vitesse d'attaque. Moi je trouve ça bien. C'est planqué là. Hein. Voilà. Si j'ai plus de dégâts. Je vais mourir. Reviens ici. Alors, minigun. Mais les gars, j'adore cette technique, je trouve ça trop marrant.
d'aller balancer les rafales de balles là sur les gens. Oh là, putain, il perd à tout par contre. C'est trop lourd. Allez, je t'ai vu, mon gars. Je crois que je t'avais pas vu, hein. Voilà. Hop. Il fait. Le mettre sur les côtés, ça. Sur les côtés. Allez, cassez-vous. Voilà. Casser la bouche. Alors toi, mon gars. Keltas, le vilain. Le vilain Keltas. Ouais, on poke, hein. Ticus, ça poke. Je sais pas ce que je vais prendre. Je sais pas si je vais prendre la. Oh la vache. Oh la vache, on est resté en ligne droite comme un bolo. Je sais pas si je vais prendre la toile. Alors, augmente la portée de grenade à fragmentation de 50%, ça peut être pas mal. Le rayon de grenade à fragmentation de 100%. Comme il est dan, mesdames et messieurs, Ticus maintenant beaucoup plus adaptable aux situations hein, auxquelles vous êtes confrontés. Là, le problème, est-ce qu'on a beaucoup de contrôle en face? Ouais, on a 0 à tous les tours. On va prendre la marche, le marche ou crève. Hein. Silence, étourdissement, ralentissement, immobilisation. Est-ce que la métamorphose compte comme un étourdissement? C'est ça ma question. On va les tuer. Oh lui, on va tellement le tuer. Il va tellement mourir. Alors là les gars, c'est sûr il meurt. Lui, des boîtes. Oh non! Oh le salaud! Le salaud, mesdames et messieurs. Bon là, vous avez vu le talent de niveau 2 qu'on a pris. On a pris quand on tue des gens, on augmente notre vitesse d'attaque de manière permanente. Pour l'instant, c'est pas fou, hein, parce que pour l'instant, on a tué personne. On est en 1-1-2. On a même pas une stack, c'est un peu chiant. Mais bon, on va voir. Allez, oh go! Est-ce que ça marche? 65, 65, ça marche. Ça marche que sur les héros. Voilà, bon, en attendant, on a. Oh alors là. C'était sûr! C'était sûr qu'on allait se faire choper. On va prendre le marche ou crève. On va prendre le marche ou crève. Et comme ulti, on va prendre quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Parce que là, on a beaucoup de soutien dans notre team. On n'a pas forcément énormément de dégâts. Qu'est-ce qu'ils ont pris les autres? Lui, il a pris les tentacules. Vous savez quoi? Je pense que je vais prendre la tour. Et on va s'en servir pour. Quoique. Quoique, quoique. Moi j'aime bien le Odin. Allez, on va prendre le Odin, on est un fou. On est un fou, mesdames et messieurs. Allez, toi. Voilà. Là, les gars. Vous m'aurez pas comme ça. Hein. Ça commence à bien faire vos conneries. Ça commence à bien faire! Venez là! Venez là! Bande de salauds! Voilà! Le Ticus, mesdames et messieurs! C'est bien pour Chase, Ticus, c'est vraiment fort. Vous êtes la terreur des bois. Oh. Ça, c'est Nova par contre. Non, c'est pas Nova ça? Oh, c'est pas Nova ça, dis donc. Oh, dis donc! Habitue-nous, loulou! C'est pas Nova, dis donc! Tant pis! Tant pis! Oh, go! Ah, là, c'est elle par contre. Et là, derrière, on la voit, on sait qu'elle est là. On reste bien derrière les creeps et on se tire vite fait, bien fait, mesdames et messieurs, parce qu'on ne veut pas mourir comme une pauvre merde. On va aller avec les potes. Totalement aller avec les potes. Recule! Ah non, avance alors, si tu veux. Bon, Ticus, j'aime beaucoup, hein. En fait, j'aimais déjà bien avant son rework. Le problème étant que on pouvait pas trop le jouer parce qu'il faisait pas tant que ça de dégâts. Et quoi, on va faire un petit coup de Odin là. Alors lui on va le pouillave. J'aime bien l'eau, c'est cool. C'est cool, regarde, ça détend le Odin, mesdames et messieurs. Ça détend. Voilà, on met des pluies de. Des peluies de missiles. Et ça détend. J'aime bien mettre des peluies. Oh là, oh là, oh là. Oh là. Voilà, donc lui on va juste le. Juste le buter, hein, là c'est vraiment. Et on va fuir. Salut? Papa?
Elle est encore là, elle. Je sais pas si c'est elle ou pas. Hein. C'est, oui, ça doit être elle, parce qu'elle fuit. Elle fuit, mesdames et messieurs, c'est elle. Alors là, oh non, 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 non! Oh là là, le mec, il passe les bombes vivantes. Quelle infâme! Quel infâme personnage! C'est vraiment méchant. Portée d'exécution augmentée. Infliger des dégâts avec le minigun soigne. Ah non, on a deux heals, c'est rien. Réduit les dégâts des capacités. Non, j'arrose et tu douilles, mesdames et messieurs. On arrose et il douille. Comme ça que ça va se passer. Moi, je vous le dis. Hop. Ah bah voilà. Typiquement. Par contre, là, ça va être chiant. Ça va être très chiant, là. Très chiant. Hop. Oh mon gars. Je crois que c'est comme ça que ça va se passer. Mets le doigt dans l'œil jusqu'au trognon, mon petit père! 24K. Keltas qui a 32. C'est pas mal, hein. Vraiment pas mal. Alors regarde, on est à 7. On a 14% de vitesse d'attaque en plus. Ce qui est plutôt. Oh, alors là. Alors là, mesdames et messieurs, on a claqué. Vous avez vu, on claque le passif. Juste après avoir claqué la charge pour être sûr d'avoir en fait la portée d'auto-attaque augmentée. Voilà, par contre, c'est chiant. On va le tuer, voilà. Oh non, il est revenu sur lui. Nice! Il s'est tué tout seul, mesdames et messieurs. Très bien. Très bien. Donc là, vitesse d'attaque augmentée de 18%. Moi, je trouve ça vraiment bien. Regardez, les dégâts que ça fait. Ah! Meurs! Je trouve ça trop bien. Franchement, ce champion, je trouve trop cool. Il est hyper agréable à jouer. Vous avez juste à vous focaliser sur un mec. Et puis il meurt, voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous avez vraiment une. En fait, vous avez beaucoup plus une sensation de puissance là avec le nouveau Ticus que vous n'en aviez avant. Vous étiez un peu en mode PLS sur votre clavier là, et puis ça marche. Hein. Seul, vous mettez votre nez sur une touche. Il faut juste bien savoir quand claquer ça et quand claquer ça. Parce que ça ne se. Le mec dit ça. Votre passif, donc le minigun. Un minigun ne se combine pas du tout avec votre Q. Ok? Ça ne se combine pas du tout avec l'exécution. Donc voilà, faites bien attention. Munition anti-blindage. Augmente les dégâts d'exécution. Assis principal. On va prendre ça. Il l'a mis sur son pote. Bon, c'est bien. On lui a fait 120, 120, 120. C'est formidable. J'ai envie de crever, moi. Ouais. Oh mon pote. Oh là là, alors là. Alors là, bon, je me suis mis en Odin à la pire position possible. Mais ça marche, mesdames et messieurs. Alors lui. Voilà. Moi j'aime bien le Odin parce que vous pouvez chase avec une portée de monstre. Tellement fou. Je sais pas où est Nova. C'est Nova que je cherche, hein, vous inquiétez pas. J'ai pas eu un problème là suite. Je cherchais juste Nova. Bon, ça se passe très bien, mesdames et messieurs. Hein, parce que deux heals, vous voyez, on est assez infâme. On est derrière. Ils peuvent pas avancer. Ils ont plein de cac. C'est Jackpot. C'est Jackpot. On est passé derrière Xul. Alors là, il va falloir changer les choses, mesdames et messieurs. C'est une honte. On est à 6-3-8. Vous voyez, donc c'est bien. C'est plutôt agréable, hein, tout ça. Ce gameplay. Toucher avec elle. On va retourner avec les potes. Parce qu'on a envie de faire des dégâts en fait. 34K, 39K en face. Voilà, on est passé devant. Attendez, parce que j'ai pas envie de mourir en vrai. Les copains sont en bas. Ils du nougat. C'était beau, hein. Le chant du coucou des Flandres. Vous le connaissez maintenant. Ce merveilleux chant, le plus beau. Oh, attendez, Keltas! Je vais y aller avec lui. Lui, il a l'air sûr de ce qu'il fait. Ça c'est pas une idée. Oh, on l'a tellement défoncé. Oh non, on l'a pas tué, mesdames et messieurs! On lui a mis la salve d'auto-attaque! Ah, dommage, ça c'est décevant. C'est très décevant.
Oh là, le stun de Uther. Daddy Dader. Oh là, bien joué. Bizel a bien joué là. Il a repoussé tout le monde en se téléportant au milieu de la mêlée. Quelle classe, quelle force, quelle élégance. Le beau jeu, mais... Oh lui, il va être déçu. Regardez la déception. 3, 2, 1. Ah non. Désolé. Il n'y a pas eu de déception du côté-là de la map. Hein. C'est bon. Tant pis, mesdames et messieurs. Oh, par contre, on est pas mal en dégâts de siège. On est 71. Nos deux spécialistes sont à vraiment beaucoup aussi. 100K, 100K. 44 dégâts, c'est vraiment pas dégueu. Hein. On va faire plus que le Xul après. Qu'est-ce qu'il a pris comme build, le Xulunet? Il a pris le build avec la faux. Les dégâts des attaques de base contre les cibles ralenties. Et la noix de poison, oui, c'est normal. Il fait des dégâts. Bon, alors nous, on va aller défendre ce boss là. On va aller totalement défendre ça, parce que je pense qu'ils peuvent y aller. Je pense qu'ils peuvent y aller. Je sais pas s'ils le feront. Pas très. On a juste mis les deux petites auto-attaques hein, pour repasser devant Odiga. Oh là, par contre, lui. Envie de crever. Non, la bombe! On a la bombe. On a la bombe, évidemment, et Luzel était à côté à nous regarder. C'est pas grave, mesdames et messieurs. On va dire le regroup, parce que là, il serait temps. Donc là, vous voyez, on a atteint les 10 stacks. On est maître assassin, donc bonus actuel à vitesse d'attaque augmentée de 30%. Pas du tout ça, c'est ça. Tuer des héros, hein, une fois. Alors, quand vous avez obtenu le cumul des 10, la vitesse d'attaque bénéficie d'un bonus supplémentaire de 10%. C'est-à-dire qu'en gros, on a 40% de vitesse d'attaque en plus, ce qui est vraiment pas mal. Et niveau 20, on va prendre quoi? Je pense qu'on va prendre. Moi, j'aime bien jouer avec ça en fait, parce que ça me permet d'être tellement plus safe et de vraiment chase les mecs. Contre les héros, là, je suis obligé de. Y a pas de tank en face. On va prendre l'esquive. Moi j'aime vraiment bien l'esquive. En fait ça vous permet de toujours être sur la brèche. C'est vraiment fou. Vous avez 3 charges. Donc vous avez 3 charges en Odin aussi. C'est vraiment vraiment fort. Moi j'aime bien. Je vous le dis, c'est vraiment vraiment pas mal. C'est poilant. Hop, poilant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller avec les potes. Hein, parce que, on va arrêter d'aller tout seul. On va aller avec les potes. On va montrer qui est le papa. La vitesse d'attaque, hein, ce qui est assez fou. Regardez. Voilà. On va se mettre là. Faudrait qu'on rentre des piécettes. Oh, j'arrive! Bombe! Oh, le minigun, c'est tellement bien. J'ai envie de chanter, vous voyez. Je chante la vie, je chante le minigun. Il faut y aller, il faut y aller. Bon, bah, allons-y. Lui, il en a 9. Ça va marcher très bien. J'aurais pu prendre la tourelle. Parce que là, en fait, comme j'ai boosté mes auto-attaques, ça aurait pu très bien marcher. Voilà. On va le corriger, hein, sauvagement, évidemment. On va sauvagement le corriger, le petit homme. Mouticus, voilà. Un héros. Oh oh! Un héros. Oh oh! Là, on va. Hop, on va se pousser. Calmer, voilà. Ah, voilà. Donc là, il prend des. Ouais, il prend des maxi dégâts. Et il se calme direct. Bonhomme. Alors lui, il stun les creeps, d'accord. On est 48K, hein, c'est vraiment pas ridicule. Vraiment pas ridicule. Et vous avez eu l'idée, mesdames et messieurs, d'un premier petit build qu'on peut faire sur la Mythicus. Voilà, 153, 53, 53. Mourez, voilà. Mourez, mourez, le minigun. Donc vous avez une première idée de build qu'on peut faire sur la Mythicus, hein, un héros toujours aussi sympatoche. Il était vraiment perdu de vue avant parce que son passif, vous savez, faisait que votre minigun mettait du temps à s'activer et augmentait sa vitesse d'attaque au fur et à mesure. Maintenant, vous pouvez auto-attaquer direct qui vous voulez et vous avez votre vitesse d'attaque max tout de suite. Bon, allez, on va leur mettre qu'on est content. Voilà.
Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, vous avez votre vitesse d'attaque max tout de suite, mais en plus vous avez l'activation qui vous permet d'avoir un tueur de titan ou tueur de géant, vous appelez ce talent comme vous voulez, mais qui augmente vos auto-attaques contre les héros. C'est vraiment, vraiment, vraiment très fort, je trouve, et vraiment très sympa. Donc pour vous remontrer le build, défonce Alphonse, très rigolo, moi j'adore l'humour Blizzard, ça me fait toujours très, très rire. Très rire, ça n'a aucun sens, mais ça me fait très rire. Augmente la portée de vos attaques de base de 25%. En fait, j'ai fait ça pour pouvoir le cumuler avec le passif au début. Vous faites votre fonce et défonce, vous faites votre dé, et vous tirez hyper loin sur n'importe qui, avec en plus un debuff de. Un buff à vos auto-attaques. C'est vraiment très fort. Maître assassin, bah, pour aller avec ça, en fait, ça vous permet, quand vous tuez un héros, d'avoir des stacks. Quand vous atteignez 10 stacks, vous avez 30% de vitesse d'attaque en plus, tout le temps, et un bonus, quand vous allez au-dessus de 10 stacks, de 10% Non, pardon, vous avez un bonus 20% de vitesse d'attaque, plus un bonus de 10% qui vous donne 30% de vitesse d'attaque, ce qui est plutôt, plutôt cool. Après, j'ai pris Marche ou Crève pour éviter de me faire CC, bon, ça c'est classique. Sachant que là, on avait deux heals avec nous, donc on avait Murky et Uther. Uther qui tankait, Murky qui faisait des trucs de Murky, hein, comme d'habitude. Ce qui permet d'être vraiment très safe et secure, donc j'ai pris le Odin, ça permettait d'aller tout défoncer depuis l'arrière-ligne. C'était plutôt pas mal, on s'est pas beaucoup groupe, mais sinon on aurait fait plus de dégâts que ce qu'on a fait là, on a quand même fait 48k, hein, c'est pas ridicule. J'arrose et Tudouille, 25% de portée augmentée de la portée du A, ce qui fait qu'on peut rester vraiment derrière et profiter des heals, etc. etc. C'est juste pour ça, pour rester bien safe. Et comme on avait déjà une bonne augmentation des auto-attaques avec les dégâts de Jaro de exécution sont déjà très fous, c'était suffisant. Munition anti-blindage pour eh bien, défoncer encore plus la cible principale de l'exécution, donc du Q. Et l'esquive pour avoir deux charges en plus de fonce et défonce. Ce qui fait que vous avez 3 stacks de défonce à Alphonse, puisque vous avez 3 charges, et vous pouvez bien vous replacer dans les fights, ce qui compte aussi pour le Odin. Le Odin a 3 charges de son aérojet là, ce qui fait que vous êtes vraiment safe et que vous êtes très très mobile dans les combats, et vous pouvez aller poursuivre n'importe qui. Pour les chase, c'est vraiment très pratique. Pour vous replacer, c'est fou. Je trouve ça vraiment très sympa. Sinon, vous aviez aussi l'augmentation du dé, donc qui pourrait aller avec ça, pour finir un peu compléter un peu le build. Vous avez les deux possibilités. Encore une fois, mesdames et messieurs, sur ce build, donc ce build, vous pouvez le tester en partie, hein, il marche très bien. Je vous ferai une liste des différents builds que vous pouvez faire avec Ticus à la fin de cette vidéo. Hein, n'hésitez pas. Des builds qui marchent, qui vont bien ensemble. En fonction, je vous mettrai en fait dans quelle situation ils peuvent être pas mal. Après, c'est à vous de tester, à vous de faire vos propres builds, hein, parce que moi, je vous donne juste des idées. Vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, en dessous. À la partager pour que je sache si ça vous plaît et si je peux continuer sur ce format ou si il faut que je change parce que vous préférez autre chose. Si vous ne me commentez pas les vidéos, je ne pourrai pas vous dire. Voilà. Sur ce, je vous aime, vous êtes les plus beaux, à la prochaine!